Nous abordons aujourd'hui un domaine certainement très controversé, celui de l'astrologie, en recevant André Barbeau, qui est l'un des maîtres français de cette discipline. L'astrologie, c'est sans doute l'une des plus vieilles connaissances du monde, puisqu'elle remonte au moins aux Chaldéens, mais c'est aussi l'une des plus actuelles, en jugée par sa vogue, sa popularité, aussi bien d'ailleurs que par les réticences et les doutes qu'elle continue naturellement de soulever. Au moins, laisse-t-elle rarement indifférent. Nous la classerons peut-être pour notre part parmi les sciences humaines, parce qu'elle est certainement un moyen de connaissance de soi-même, lors même qu'on s'imagine par elle précéder ses contemporains dans l'histoire qui se fait. André Barbeau, vous avez publié de nombreux ouvrages sur cette science donc tout humaine. Aux éditions du Seuil, je rappelle, un traité pratique d'astrologie qui fait aujourd'hui autorité, un ouvrage également très instructif intitulé De la psychanalyse à l'astrologie, et voici que vous rééditez chez Fayard un traité sur l'astrologie mondiale où vous parlez précisément de la prévision historique par la connaissance des rythmes et du cosmos, et d'ailleurs la bande de l'ouvrage sur fond étoilé signale le grand déséquilibre planétaire de 1982 à 1984, c'est dire que vous nous plongez dans une actualité qui a beaucoup encore doit sembler un peu irréel, mais donc vous savez tout de même nous faire partager l'angoisse qui est assez répandue. Et puis alors il y a aussi cet autre ouvrage qui vient de paraître chez Hachette, ouvrage qui s'appelle La prévision de l'avenir par l'astrologie et qui, elle, étudie en fonction de l'astrologie mondiale le destin des hommes qui, finalement, interviennent et font la politique, interviennent dans l'histoire et font la politique. Alors, je voudrais d'abord vous demander comment vous en êtes venu de l'astrologie qui étudie le destin des personnes, qu'on appelle couramment l'astrologie judiciaire, à cette astrologie encore plus incertaine qui tente et que tente la prévision historique. Oh, c'est très simple. C'est tout simplement que, très jeune, je me suis passionné pour la politique. J'avais des opinions politiques très tranchées. Et ma passion de la politique a enclenché chez moi le désir de comprendre quelque chose au-delà du destin individuel. En vérité, très vite, la passion de la politique s'est déplacée et est devenue la passion d'histoire. Alors, j'ai donc, à partir de mon intérêt pour l'histoire, développé cette branche très particulière qu'est l'astrologie mondiale. Alors, vous, l'astrologie mondiale, en réalité, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Elle est certainement nouvelle parce qu'aujourd'hui, on peut la faire d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus précise. Mais vous dressez, je dois dire, de cette astrologie mondiale dans votre livre, un bilan assez catastrophique, n'est-ce pas? Parce que tout ce que vous dites de ce que vos prédécesseurs dans l'histoire ont prévu est tout de même assez négatif. Oh, l'histoire de l'astrologie mondiale, c'est l'histoire de nombreux essais, de nombreuses expériences qui n'ont pas réussi. Mais j'ai quand même précisé que si ça avait été une démarche assez vaine, elle n'avait pas été tout à fait inutile, parce qu'il y a un fond de vérité derrière le propos de cette astrologie mondiale, et il s'agissait de dégager ce qui pouvait être retenu, ce qui pouvait être, disons, authentique comme objet de savoir de cette astrologie mondiale. En fait, ce livre est un livre critique, c'est un livre critique de l'histoire, en quelque sorte, de cette astrologie mondiale. Mais pas entièrement critique, car tout ce qui a pu être construit, tout ce qui a pu être édifié, qui peut s'autoriser de se présenter comme un savoir authentique, j'allais dire objectif, eh bien, procède quand même de cette tradition lointaine de l'astrologie mondiale. C'est-à-dire que vous montrez que vos prédécesseurs ont très souvent assez bien prévu qu'il allait se passer des événements importants, mais qu'ils se sont le plus souvent trompés dans l'interprétation de ces événements. Ah, et comment pouvait-il d'ailleurs faire autrement? Ah, exactement. Parce que, je comprends bien, n'est-ce pas, quand on fait de l'astrologie personnelle, individuelle, on a un grand nombre de références. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas combien de thèmes astrologiques dans sa vie, a un grand nombre de références. Un homme qui fait de l'astrologie mondiale a peu de références. En fait, il en a peu parce qu'il n'a pas fait l'effort pour en avoir. Si vous consacrez 10 années de votre vie à lire l'histoire, et si vous vous mettez en fonction de votre connaissance historique, parce que tout commence à partir de ce que vous pouvez savoir de l'histoire naturellement, puisqu'il s'agit d'une discipline de recherche de corrélation. Mais si vous, connaissant cette histoire, vous mettez à appliquer la technique d'interprétation, vous pouvez quand même avoir une quantité de matériaux, de connaissances.
Autrement dit, c'est une question de durée, de nombre, de chiffres, d'observation. Et cette technique d'interprétation doit être très difficile. Par exemple, nous allons en parler, vous évoquez donc dans votre livre cette espèce de concentration planétaire exceptionnelle que nous traversons en ce moment. Bon, or, nous savons que cette concentration, de telles concentrations, de telles conjonctions se sont déjà produites dans le passé, mais par exemple, comme elles se produisaient dans d'autres signes du zodiaque, il n'est pas évident qu'une concentration telle qu'elle se produit aujourd'hui apporte les mêmes effets que la même concentration qui se sera produite 4 siècles auparavant dans un autre signe et dans un autre contexte. Naturellement, et de toute façon, les mêmes, en supposé qu'il y ait la même configuration générale, la même concentration et au même endroit, elle s'appliquerait à une société, à un état du monde qui ne serait pas comparable avec la société et l'état du monde d'aujourd'hui. De toute façon, on ne peut procéder qu'à des analogies et pas du tout à des rapports d'identité. Oui, c'est votre grande idée. Mais d'ailleurs, ouais. c'est tout à fait... Au fond, qu'est-ce que c'est que l'astrologie? C'est un espèce de rapport qu'on établit entre le cosmos et soi-même, entre le microcosme et le macrocosme. Alors, quelle est la nature de notre rapport, le rapport de notre petite personne avec le monde dans lequel cette petite personne vit? On sait qu'il y a un rapport, mais on ne l'a pas encore vraiment identifié. Oui, on ne sait pas la raison, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais généralement, le critique ou l'adversaire qui s'insère veut procéder à des comparaisons, eh bien, en général, revient avec la conviction qu'il y a d'authentiques corrélations. On ne sait pas pourquoi ça marche. On ne sait pas pourquoi ça marche. Mais ça marche. Oui. Et alors, le rapport au plan individuel est tout simple. Quand vous naissez, vous avez une configuration d'astres qui se trouve répartie autour de vous. Et c'est un peu comme un cliché qu'on prendrait du ciel au moment même de la naissance et au lieu de la naissance. Et les astres continuent leur onde éternelle à des rythmes qui sont les leurs. Et c'est la comparaison des déplacements de ces astres dans le ciel d'hier à demain en passant par aujourd'hui qui permet d'évaluer l'évolution, ou en tout cas de juger l'évolution de la personne. Et pas de prévoir ce qui va lui arriver? Alors, prévoir ce qui peut... On peut faire de la prévision. Il arrive qu'on peut s'autoriser une prévision formelle, j'entends par prévision formelle, définir le type d'événement auquel peut se rapporter la corrélation. Car en général, la prévision est une prévision de tendance. Le grand problème étant toujours d'interpréter la manière dont sera vécue cette tendance. Oui, mais un astrologue compétent est quelqu'un qui doit d'abord évaluer, juger, situer cette tendance, la définir, à partir de quoi il peut dire, eh bien, en fonction de cette tendance, il peut s'agir de telle sorte d'événement, comme il pourrait s'agir de telle autre sorte d'événement, et souvent, l'interprète se trouve devant un clavier de possibilités, et c'est en jugeant l'existence de la personne, l'état dans lequel elle se trouve, qu'il y a une plus grande probabilité que soit plutôt telle formule que telle autre qui puisse se produire. Et comment insérez-vous, maintenez-vous la liberté humaine, alors, à travers ce rapport? C'est justement parce que il y a le passage entre le plan de la tendance et le plan d'événement qu'il y a justement ce jeu, naturellement. Oui. Ah oui. D'ailleurs, vous l'avez bien expliqué précisément dans votre petit livre où vous faites un rapport entre l'astrologie et la psychanalyse. Mais l'astrologie peut aussi apporter quelque chose, par exemple, dans le domaine médical. Elle peut apporter quelque chose, j'allais dire, un peu elle aide à la connaissance de l'être humain pratiquement sur tous les plans de son existence. Alors, compris le médical. Y compris. Ouais. Alors, pour revenir à l'astrologie mondiale, alors quelles prévisions peut-on réellement tirer de ces grandes conjonctions qui affolent tant les gens, puisque elles sont si rares et qu'elles ne se reproduisent jamais exactement de la même manière? Ah oui, mais on a fait beaucoup état de la concentration des planètes. Il y a concentration et concentration. Il y a des concentrations planétaires d'astres rapides qui se reproduisent très 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 fréquemment. Il y a toujours quelques concentrations de planètes plusieurs fois par siècle. Pour remonter en arrière, nous avons eu une concentration de 6 à 7 planètes dans le signe du Verseau en février 1962. Et je me souviens qu'à l'époque, les astrologues hindous avaient annoncé la fin du monde. Oui, alors pourquoi à chaque fois? Alors effectivement, qu'à partir du moment où il y a une concentration de planètes dans un ou deux signes du zodiaque, ça peut entraîner ce que vous appelez un grand déséquilibre. Mais alors, ça n'est pas forcément un déséquilibre mortel ou apocalyptique. Non. Pourquoi est-ce que dans l'esprit des gens, et dans l'esprit d'ailleurs de beaucoup
beaucoup de gens qui utilisent ces références astrologiques. On vous prévoit toujours à chaque fois une catastrophe. Eh bien, pourquoi ? Alors, je pourrais... Il y aurait plusieurs réponses à fournir à votre interrogation. Eh bien, je pense que ce phénomène astral de la répartition des planètes autour de l'individu, cette répartition soit vue au niveau du Soleil ou qu'elle soit vue au niveau de la Terre, est un phénomène ancré dans les profondeurs de l'être. Ça m'apparaît un phénomène immanent à la personne. C'est un archétype. C'est un archétype. Et c'est pour cela que cette conception du phénomène cosmique est présent dans toutes les cosmologies de toutes les civilisations antiques. Tous les grands philosophes de la Grèce en parlent. Pythagore, Platon, Aristote, les stoïciens, les néoplatoniciens, les premiers pères de l'Église, parlent d'un thème qui est celui de la grande année. Alors, quelle est la notion d'année ? J'allais vous poser la question. Qu'est-ce que la grande année ? La grande année, en vérité, ça n'est guère qu'une idée, qu'un compendium, mais elle est très illustrative du phénomène de l'astrologie mondiale. La grande année, elle supposait être la durée, une durée immense, qui commence par la rencontre, c'est-à-dire par la conjonction de toutes les planètes qui sont à ce moment-là alignées sur la base du Soleil ou sur la base de la Terre, et qui constitue un grand commencement du ciel, elle commence donc cette grande année, à partir de cette réunion de toutes les planètes, jusqu'à la réunion suivante des mêmes planètes, après que le cosmos soit passé par la reproduction infinie de toutes les formules astrales. Voilà le thème de la grande année, qu'on trouve, en somme, un peu partout dans toutes les civilisations. Et c'est donc parce qu'il s'agit d'un phénomène profond que l'être sent cela au fond de lui-même, comme s'il s'agit d'une forme de cosmodrame, et justement dramatisé d'une façon excessive. Et alors cette grande année, ça se reproduit tous les combien ? C'est immense. C'est infini. Oh, oui, et alors là, bien sûr, en fait, ce que nous appréhendons intellectuellement, ce que nous étudions, ce sont des fragments, des mini-fragments de la grande année, comme une longue chaîne, avec des anneaux successifs de cette chaîne. Et alors, pour le cosmos que nous connaissons, eh bien... C'est tous les 5 siècles que l'on assiste à un rapprochement de l'ensemble des planètes. Pour ainsi dire, la concentration planétaire que nous avons en cette décennie, 1990, est un phénomène semblable, si l'on compare antérieurement, à ce qui s'est passé dans la dernière décennie du 15e siècle. Mais alors, par exemple, la première concentration qui se produit actuellement dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, aura certainement un sens différent de celle qui va se produire vers les années 92 dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre. Oh, certes, mais là, vous n'évoquez que la rencontre de deux planètes. C'est-à-dire, l'année 83, il y aura une conjonction Jupiter-Uranus en Sagittaire. Alors, ce phénomène répétitif... Mais il y a Neptune en Sagittaire. Il a lieu aussi. Tous les 84 ans. Il peut être assimilé à un phénomène de développement de la vie des relations de l'homme dans l'espace, parce qu'antérieurement, 84 ans en arrière, on remonte à 1900, c'est la naissance de l'aviation, et 84 ans plus tôt, c'est l'apparition des premiers bateaux à vapeur sur l'océan. Voyez-vous, on établit ce genre de corrélation. Mais la concentration, la grande concentration, s'étale sur beaucoup plus. Elle s'étale actuellement de la fin du signe de la Balance à la fin du signe du Sagittaire. Oui, et ensuite elle passera dans le Capricorne, signe de terre. Les planètes se déplaçant, oui. Ouais. Mais comment est-ce que vous pouvez varier votre interprétation pour une conjonction qui se passe dans un signe de feu comme le Sagittaire ou un signe de terre comme le Capricorne ? Ah ben nous là. D'ailleurs, je vous dirais que, puisque vous êtes très averti, que en l'occurrence, les signes zodiacaux, ça va vous choquer, je pense, mais je vous dis ce que je crois savoir. Je crois que, aussi important que soient les signes zodiacaux, où se passe, où se déroule le phénomène, ce n'est pas tant le lieu zodiacal, c'est-à-dire les signes dans lesquels se déroulent ces rencontres, que les rencontres elles-mêmes qui se produisent. Vous pensez que ces rencontres ne sont pas tout de même affectées dans leur effet par le fait qu'elles se produisent dans un signe différent ? Non, pas du tout. S'il faut donner une interprétation stricte, essentielle, à ces rapprochements de planètes, eh bien, l'interprétation qu'il faut dire, c'est le mot « changement ».
Autrement dit, tout repose, toute la conception de l'astrologie mondiale repose sur une notion de cycle. Qu'est-ce qu'un cycle ? Tout le monde sait ce que c'est qu'un cycle. C'est le cycle de la Lune, tous les mois. Tous les mois, la Lune et le Soleil se rencontrent. S'ils forment une conjonction dans le zodiaque, c'est la nouvelle Lune. Et puis la Lune s'éloigne, elle passe à l'état de premier quartier. Puis après, l'état de pleine Lune, c'est l'opposition. Et puis après, la Lune, après avoir été montante, redevient descendante. Et elle repasse au dernier quartier pour, au bout de 27-28 jours... en revenir en conjonction, c'est donc le cycle. Et le même phénomène se reproduit pour les rencontres des planètes lentes. Alors, le même phénomène se reproduit entre toutes les planètes. Et alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène de la concentration ? C'est que dans un record de temps extrêmement court, très limité, toutes les planètes, puisqu'elles sont à côté les unes des autres, toutes les planètes reforment un état de conjonction. Alors, une conjonction constitue un commencement du ciel qui tend à correspondre à un commencement sur la Terre. Et alors, du fait que, en quelques années, présentement, il y a plusieurs planètes qui forment des conjonctions, il y en a cinq qui forment des conjonctions en quelques années, nous assistons à un phénomène de fin de cycle, de fin d'un ensemble de cinq cycles et du commencement de cinq cycles nouveaux. Alors, comment expliquer aux gens que la fin d'un monde n'est pas forcément la fin du monde ? La fin d'un monde n'est pas la fin du monde, bien sûr. Et alors, j'ai commencé par... quand j'ai fait mes recherches, pour être sérieux, il faut d'abord avoir des corrélations. On ne peut pas s'autoriser à faire de la prévision si on n'a pas préalablement obtenu un ensemble de résultats significatifs. Alors, j'ai donc commencé par rechercher ce qui avait pu se passer lors de ces concentrations planétaires tous les cinq siècles. Alors, ce qui m'est apparu au premier chef, c'est plutôt les crises, c'est-à-dire, par exemple, il y a eu une grande concentration semblable à l'actuelle qui s'est produite au milieu du 5e siècle, et ça a été la fin de Rome, les invasions barbares, la destruction de la civilisation, et puis j'ai donc commencé par voir les catastrophes, et puis après j'ai vu qu'il n'y avait pas que les morts, et c'était tout à fait significatif de ces cycles qui marquent des morts, des fins, et qui marquent des débuts, des commencements. J'ai pu constater par exemple que la dernière fois, quand a eu lieu cette concentration, à la fin, disons plus largement, de la seconde moitié du 15e siècle, et plus particulièrement à la fin du 15e siècle, que ça avait été surtout un commencement. C'est-à-dire, c'est là qu'on l'a fait dater la naissance de notre civilisation chrétienne occidentale. Oui, mais là, vous voyez, vous avez évoqué ce qui s'était passé au 5e siècle, et naturellement, nos contemporains vont traduire « nous allons vivre une période d'invasion barbare ». Alors, c'est cette traduction qui est dangereuse. Voilà, vous parlez de ce qu'on appelle les corrélations erronées, n'est-ce pas ? Vous dites que c'est très dangereux d'établir des corrélations erronées en astrologie. Oui. Les corrélations erronées. C'est la véritable fausse monnaie de l'économie astrale. La corrélation erronée a comme corollaire inévitable le pronostic raté. Seule la leçon drastique de l'échec prévisionnel permettant d'y échapper. Bien sûr. Si vous ne faites pas. Alors, pour moi qui suis un expérimentateur, je considère qu'il y a trois stades pour fonder les corrélations. Le stade premier, c'est le stade de la découverte, de la rencontre qui peut être fortuite ou non. À savoir, il y a des événements qui se reproduisent. D'un type donné dans le passé, et il y a des phénomènes astraux qui les accompagnent. On peut se dire, tiens, il pourrait bien y avoir une corrélation. Alors, arrive le second stade. Vous vous dites, il est bien possible qu'il y ait une corrélation, je vais, à partir de là, expérimenter la relation. Je vais donc, pour moi-même, en laboratoire, si j'ose dire, vérifier se reconstitue un même phénomène au moment où va se produire la prochaine configuration semblable. Et puis, s'il y a un résultat, je reformule ça une, deux, trois fois. Et au bout d'un résultat, si le résultat est obtenu, je peux à ce moment-là m'autoriser à parler d'authentique corrélation et m'autoriser de faire une formulation prévisionnelle. Alors, au fond, l'astrologie est une science essentiellement expérimentale, alors que tout le monde croit que c'est une construction de l'esprit. Là-dessus, elle était parfaitement expérimentale. Du reste, je pourrais vous dire que aujourd'hui, cette recherche-là n'est plus faite
par des astronautes, par des, pas que par des astrologues. Il y a eu un article dans New Scientist du 28 octobre dernier, c'est de date récente, hein, qui a révélé qu'à l'Académie météorologique de Pékin et à l'Observatoire astronomique de Pékin, il y avait des savants qui se livraient à des études de corrélation sur ces concentrations planétaires. Ils ont une chance considérable car ils ont une chronique météorologique qui fait plusieurs millénaires. Et ils ont Les Chinois. Oui. Et ils ont fait des recherches sur 19 concentrations planétaires depuis 1600 avant Jésus-Christ. Oui. Elles ont obtenu des corrélations qui sont absolument remarquables. Ils considèrent, par exemple, que ce phénomène qui se produit est un phénomène qui est annonciateur d'un retour du froid, de refroidissement général. Leur corrélation leur paraît si établie qu'ils se sont autorisés pour la première fois à formuler des prévisions sur 50 années. Et ils annoncent le retour d'une période de refroidissement pour la planète, pour notre continent, attention, pour le continent supérieur, pour, disons, l'hémisphère nord, pour les temps qui viennent. Ils n'ont pas établi de prévision d'ordre politique, apparemment. Pourquoi ils n'ont pas communiqué? Mais pourquoi ils n'ont-ils pas communiqué? Parce que je crois qu'il y a un commencement dans tout. Ces savants pensent d'abord que s'il peut y avoir une corrélation entre le cosmos, le système solaire et la Terre, eh bien cette corrélation devrait être de toute évidence plutôt de type géophysique, de type météorologique. Et vous savez, c'est le béaba de l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale a commencé par être météorologique. Oui. La prévision des saisons. J'allais vous demander quels sont les rapports entre l'astronomie et l'astrologie. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais qu'est-ce qui les oppose au fond philosophiquement? Est-ce la théorie de la précession des équinoxes? Oh non, non. Alors, je crois que ce sont deux départements différents de l'esprit. Disons que les astronomes actuels ont une philosophie scientifique qui me paraît très rationaliste, me semble-t-il, au plan, disons, sur un plan critique. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le phénomène. Et or, il est très facile, à partir du moment où on ne le comprend pas, j'allais dire, de le nier. Si les astronomes avaient fait des contrôles sur l'astrologie et qu'ils aient dit, nous avons fait des contrôles et nous n'avons rien trouvé, on pourrait s'incliner sur la négation, la critique des astronomes. Or, ils ne font pas ces contrôles. Leur critique est une critique a priori. Parce qu'ils partent du principe qu'on ne peut pas effectivement expliquer ces analogies dont vous parliez, qu'à partir du moment où une chose est inexplicable, ça peut être inexistant. Bien, absolument. Mmh. Alors, les gens de Pékin qui ont... évidemment, c'est normal que des recherches puissent être faites en Chine en raison, justement, des chroniques considérables qu'ils ont. Mais ce que nous apprend cet article de la publication britannique, c'est tout simplement que en Chine, on n'a pas l'esprit trop étroit et on pense qu'il peut y avoir une corrélation entre les phénomènes cosmiques et des phénomènes terrestres, ce qui me paraît, à mes yeux, vraiment banal. Dites-moi, André Barbeau, est-ce qu'il existe en France plusieurs écoles d'astrologie qui s'opposent, ou est-ce qu'il y a une espèce de coopération fructueuse? Oh, il y a, j'allais dire, mille et une écoles. Voilà tout. Miner une école. Mais enfin, vous dirigez aussi une revue qui s'appelle L'Astrologue, où je vois dans les numéros, vous avez fait précisément un article sur la conjonction Jupiter-Uranus de 83. Vous en tirez des conclusions? Oui, c'est une année sur laquelle on pourra deviser après l'histoire. Une année politiquement intéressante. Je pense que c'est surtout économiquement, car c'est un point crucial, disons, de la concentration planétaire. Sur le plan économique, alors, avec un effet... Particulièrement sur économique. Sur le plan économique. Et vous publiez aussi un article d'Étienne Quillet, dont nous avons déjà parlé ici, et qui se penche, lui, beaucoup sur le problème des corrélations possibles entre la molécule ADN et le cosmos. C'est un problème également très, très important. Ça, c'est aux éditions traditionnelles. Je rappelle alors le titre de vos ouvrages. Il y a votre traité pratique d'astrologie, de la psychanalyse à l'astrologie. Ce sont des livres parus aux éditions du Seuil. Il y a votre livre La prévision de l'avenir par l'astrologie. Nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais on le trouvera chez Hachette. Et là, vous étudiez en particulier des thèmes d'hommes d'État. Et puis, votre grand livre sur l'astrologie mondiale, qui est réédité chez Fayard. André Barbeau, je vous remercie. Demain, nous nous retrouvons
avec Florence Tristram pour parler du pape Sylvestre II, plus connu sous le nom de Gerbert, pape qui a régné aux alentours de l'an 1000, ouvrage édité chez Flammarion. À demain, je vous remercie.